Et entre vous et moi, c'est moi qui ai la classe. Parce que vous savez, on va parler de quoi ce soir? On va parler de Men in Black. Alors oui, on a tous, de toute façon, un mois de vue sur Pluton, je pense qu'on a tous parlé de la baffe de Will Smith. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette baffe. Je l'ai trouvé, je sais pas comment dire ça, joli revers, joli coup droit à la Federer. Et je pense que notre ami Will Smith avait totalement raison. Hein. On peut pas... Voilà, mec. C'est juste que je trouve que sa femme, on peut voir que les femmes parfois peuvent être des connasses. Parce que le mec a quand même défendu son honneur. Et la femme, elle a dit ouais, mais je veux pas que tu fasses ça. Donc d'un côté, tu fais une grimace. Et quand il se lève et en fait, il te défend, toi en fait, tu es là, tu balances des trucs sur lui. Ouais, je voulais pas qu'il fasse ça. Ouais, mais je voulais pas me marier avec lui. Et ça. Je trouve qu'une femme, quand elle fait ça, c'est une connasse. Je vous le dis. Je pense que d'autres, les femmes aussi pensent comme ça. Donc, voilà, on va pas se mentir. Je suis le premier à défendre les femmes, mais pour le coup, on peut dire que c'est pas très classe de sa part. Donc, comme vous avez deviné, je vais parler de la saga Men in Black avec Will Smith, Tommy Lee Jones, deux excellents acteurs. Qu'est-ce que c'est Men in Black? Alors, Men in Black, c'est une organisation que le monde ne connaît pas, qui travaille en sous-marin, sous des formes de genre de gens du FBI, mais qui s'occupent des extraterrestres pour sauver la planète. Ce qui vous fait rire, Edouard, je vois pas du tout ce qu'on fait ici. Il me faut un café, tu veux un café? Non, merci. Oh, salut les mecs! Le premier, c'est le meilleur. Je commence par le meilleur. Désormais, tu n'auras plus aucun signe distinctif. En fait, l'agent K va recruter l'agent J. Nous sommes les Men in Black. De toi et moi, moi j'ai la classe. Série 4 des adorables. Non, j'aime trop l'idée de ça. Quoi? Non, j'ai tout. C'est un des premiers gros films de Will Smith avec Bad Boys. L'atterrissage non autorisé quelque part au nord de New York. Avec Vincent D'Onofrio qui joue Wilson Fisk dans la série Les Caïdes et joue dans Jurassic World. Il y a plein d'autres films, c'est un excellent acteur. Mais... Columbia Pictures et Amblin Entertainment présente. J'aime beaucoup l'agent L, j'ai pas compris pourquoi il est jamais revenu dans les deux autres univers. Le champ de Star, c'est un excellent acteur. Trois connards, tu n'as donc pas de pitié. Cause qui s'est seulement attelé pour sa picote. Will Smith. Mais t'es quoi au juste? Il y a un autre acteur qui s'appelle Sean Todd, qui joue à Monk. Excellent acteur aussi. Réalisé par Barry Sonnenfeld. La série est excellente, le film est excellent. T'approches plus de cette poubelle qui te sert de véhicule et mets les mains sur la tête. Alors ça mérite au moins 9 pointés sur mon bizarre idomètre. Si ça te plaît pas, on va te faire voir, pauvre truc. Avec Franck. Voilà, on va passer au meilleur. Enfin, après le 1, je vais vous montrer le meilleur. En plus, il y a Josh Brolin qui joue l'agent K, mais plus jeune. Et non, moi j'aime beaucoup le 3. Vraiment, je trouve excellent. Qui sommes-nous? Nous sommes personne. Notre mission consiste à contrôler les activités extraterrestres sur Terre. Flaco, tu sais que t'as rien à faire au nord de Canal Street? Qui c'est Flaco? Hey, calmos, le rebelle. C'est moi qui veulent, pas toi. C'est du délire, pas vrai? Qui débarque, qui cause au mur, le mur qui leur répond. Ouais, c'est flippant. Mais... Te prends pas la tête. Je pense que Will Smith aurait mieux faire ça à la cérémonie des Oscars. Accès refusé. Il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas que tu saches. C'est pas le bobard que tu m'as servi le jour où tu m'as recruté. Le méchant, c'est Boris Lanman, un vieil ami de K. Il a réussi à se débarrasser de lui dans le présent. Et du coup, J va remonter dans le passé pour éviter l'invasion des Banglodites, qui est Boris Lanman, le même
Vous l'avez pas croisé? Ras, et du coup, il va retourner dans le passé pour se débarrasser de lui et va rencontrer George Brolin. Depuis plus de 40 ans. Il y a une actrice qui s'appelle Emma Watson, Lucy Bonacker, elle joue dans Spider-Man en comics, elle joue au bricoleur. Et l'autre, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Emma Watson, je crois. C'est pas Emma Watson, mais Harry Potter, c'est une autre excellente actrice. Je ne sais plus quel agent elle joue. Et ça, c'est car je brûle. Dans un sac plastique à la kermesse de l'école. Vous n'en vouliez pas chez vous, du coup vous l'avez balancé aux toilettes. Vous avez vu? Voilà le résultat. Ah, je deviens trop vieux pour ça. J'imagine ce que ça doit être pour toi. Je t'ai promis les secrets d'univers et en plus. Alors il y a des secrets là-haut qui dépassent l'univers? En fait, j'aime bien parce qu'il y a déjà ce côté où il remonte dans le temps. C'est bien écrit, c'est bien fait. Et globalement, les histoires en remontant dans le temps sont des bons films. Avengers Endgame, Retour vers le futur, de manière générale. X-Men Day au Future Past, Men in Black. Tiens, prends ça. Maintenant, tout ce que t'as à faire, c'est un saut. Mais t'es malade, toi, il n'est pas question que je saute en vide. C'est un saut dans le temps. Tu as 24 heures chrono. Après ça, tu pourras plus revenir. Josh Brolin, voilà, il joue Thanos dans Sicario, dans plein d'autres films, mais c'est un peu clair. Non, 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 sur All Men, Will Smith, Men in Black 1, Men in Black 2, Men in Black 3, Bad Boys 1, Bad Boys 2, Bad Boys 3, Hancock, Cedric, iRobot, Justice une légende, Hitch, Willie West, Cedric, Seul contre tous, Suicide Squad. Et le truc de Serena Williams. Et toi, t'as quel âge? 29 ans. Tu devrais essayer une crème antiride. Le meilleur, c'est le 1. Le, 2, le deuxième, c'est le meilleur, c'est le 3. Après, on a un Men in Black 2, qui est sympathique et pas mal. C'est le même boulot, dans un tout nouveau style. Et tu reviens d'une autre planète. Et tu débarques en faisant la tête et tu crois que je vais faire la fête. J'aurais dû changer la serrure. J'aurais dû... Franck, c'est gros, c'est très difficile. Le galaxie, le problème. Déjà, mortel, fatal, dévastateur. Et le seul agent ne peut empêcher ça. Appelez-le, maintenant. Ne sait même pas qu'il est un agent. Et tu te souviens pas de moi, mais on faisait équipe dans le temps. J'ai jamais bossé dans les pompes finales. En quoi je... Magnifique, ce va. J'ai trop connu ça. Pourquoi tu crois qu'ils sont si bien ici? La survie de la Terre dépend peut-être du savoir de K. Gars! Te revoilà? Alors, on m'avait dit que t'étais mort! T'as l'air enfant! Passez-le au dénéro laser. On va aller le mettre. Quoi? Le dernier costume de ta vie. Encore une fois. C'est rien, vous en faites pas, je vais habiter ici. Je viens chercher deux ou trois petites choses. La musique est excellente, c'est Will Smith qui fait la BO des deux et Pitbull qui fait la BO de Men in Black 3. La vanne est bonne et quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez logique. Comment ça s'appelle? Voilà, on va parler de Men in Black, le pire, le quatrième. Décidément, comment on appelle ça? Le quatrième avec Matrix 4
et qu'on appelle ça Matrix 4 et Men in Black. Nous bah, sommes le 4, une c'est rumeur. Une horreur, oh mon Dieu. Un parfum de déjà-vu. Un souvenir fugace. Nous sommes le secret le mieux gardé de la galaxie. Je sais. Je veux être recrutée. Vous avez effacé la mémoire de mes parents. Mais pas la mienne. C'est le scénario qu'ils ont effacé sur toi. Ça m'a pris 20 ans pour vous trouver. Oh, quelle horreur. Combien de gens peuvent en dire autant? Franchement, je l'ai vu, c'était tellement mauvais, j'ai même pas pu regarder ça, je trouve. J'ai tenu peut-être 20 ans. Je suis parfaite pour ce travail. J'aurais. Il se pourrait que nous ayons un problème. Ma Londres. En fait, c'était la fausse bonne idée. Vous ferez équipe avec l'agent H. Je suis un Men in Black, vermine sermienne. Et je vais te dire, ton petit club, il est naze. Allez, c'est moi qui ai ça. Je suis gêné de vous montrer la bande, c'est pour vous dire. Les men et women in black. Là où ils s'en sortent bien, c'est tout mon gris pour l'instant. C'est James Bond. Et. Si je comprends bien, tu veux qu'on essaie l'arme la plus puissante de la galaxie. Spider-Man, ils se débrouillent bien. Et leur univers, ils ont créé autour de Spider-Man, Venom, Venom, Carnage, Morbius. C'est un désastre. Franchement, c'est un désastre. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. J'ai obligé. Je l'ai trouvé, je suis content. Je peux pas mettre une blague sans mettre ça. Je vais mettre le dernier costume de ta vie. D'ailleurs, j'aime trop, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est la même chose. Je vais mettre le dernier costume de ta vie. Encore une fois. Vous vous conformerez à l'identité que nous vous attribuerons. Vous mangerez où nous vous le dirons. Vivrez où nous vous le dirons. Désormais, vous n'aurez plus aucun signe distinctif quel qu'il soit. Vous ne vous singulariserez en aucune façon. Toute votre image est modelée pour ne laisser aucun souvenir durable chez ceux que vous rencontrerez. Vous êtes une rumeur. Vous ne laisserez qu'une impression de déjà-vu. Et on vous oubliera en un éclair. Vous n'existez pas. Vous n'êtes jamais venu au monde. L'anonymat est votre nom. Le silence, votre langue natale. Vous ne faites plus partie du système. Vous êtes au-dessus du système, au sommet, au-delà. James et Laurence. Nous sommes ils. Nous sommes les Men in Black. Jim. Tu connais la différence entre toi et moi? Sur moi. Moi, c'est la classe. Et voilà, sur ce, je ferai pas mieux. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.